Esprit, es-tu là? Hey, c'est vraiment pas mal ces applications pour gérer l'éclairage. Hein. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Gamer. Ça, c'est de l'intro, hein? Quoi? Oh ben, faut me comprendre aussi, hein? Il voulait pas fermer sa gueule, j'ai pas eu d'autre choix, moi. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu bien de chez nous, à la française. On va parler de Dishonored. Allez, magnéto, Philippe. Moi, c'est Maurice, patron. Ouais, Maurice, peu importe. Dishonored a vu le jour le 9 octobre 2012. C'est un jeu de type action RPG, avec une bonne dose d'infiltration. Enfin, ça va dépendre de votre manière de jouer. Car c'est surtout un jeu qui se veut non linéaire, laissant le joueur totalement libre dans son approche, que ce soit en termes de gameplay ou même de ses choix tout au long de l'aventure. C'est ce qu'on appelle le principe de l'immersive sim, hérité de jeux comme System Shock ou encore Deus Ex. Et ce n'est pas un hasard, puisque l'un des directeurs créatifs du jeu n'est autre que Harvey Smith, qui occupait déjà le même poste sur Deus Ex. D'ailleurs, il faut savoir que l'on doit cette petite pépite du jeu vidéo à un studio bien de chez nous, Arkane Studio, petit studio français, élevé à la baguette et à la bonne charcutaille lyonnaise. Quoi ? Il y a valeur pour les clichés. On ne peut pas parler de Dishonored sans mentionner la volonté, l'acharnement et le travail d'orfèvre dont fait preuve le studio lyonnais depuis toutes ces années. Arkane Studio a vu le jour en 1999. Il a été fondé par d'anciens membres de chez Electronic Arts et d'Atari. Le studio a commencé avec du très lourd puisqu'ils sont à l'origine d'Arx Fatalis, puis ils enchaînent avec un partenariat avec Ubisoft sur Dark Messiah of Might and Magic. Et ouais mes cocos, Dark Messiah of Might and Magic, c'est eux. Le studio se spécialise donc sur les jeux vidéo à la première personne avec une approche toujours très RPG. En 2006, le studio décide donc de s'agrandir et une nouvelle équipe voit le jour à Austin, au Texas. Tout ce beau monde se met alors à travailler sur un projet d'envergure avec le studio Valve, oui, les papas d'Half-Life, sur un projet qui s'intitule donc The Crossing. Le jeu se voulait être très ambitieux puisqu'il proposait de découvrir deux mondes parallèles, un Paris en totale anarchie après la chute du gouvernement. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est comment le futur en fait ? Non, je ne peux pas répondre à cette question. Tu n'es pas encore prêt pour que je te parle du futur. Tu n'as pas idée des souffrances qu'on a pu endurer. Donc comme je le disais, deux mondes parallèles, un Paris en totale anarchie et une vision d'un Paris gouverné par les Templiers. De plus, le jeu devait être partiellement multijoueur, puisque le jeu devait permettre à des joueurs humains de prendre le contrôle des ennemis dans le cadre d'une campagne solo. Énorme, non ? Mais malheureusement, le projet fut annulé après quelques années de développement. Un véritable coup dur pour le studio, mais qui ne baissa pas les bras pour autant. Mais si on regarde de plus près le gameplay de The Crossing, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on est ici face aux véritables origines de Dishonored, tant les ressemblances sont frappantes. Comme quoi, jamais rien n'est perdu. Après ce coup difficile, le studio s'occupe donc de side projects. Désolé pour mon anglais. En gros, ça consiste à travailler pour des productions tierces. Il travaille par exemple sur le multijoueur de Call of Duty World at War, où il s'occupe de la conception des maps, ou par exemple la conception du level design de Bioshock 2. Il faut attendre 2009 pour que le projet Dishonored commence à être mis en chantier, et il sera édité par un studio de renommée et pas des moindres, puisqu'il s'agit de... Quoi, c'est de parler d'un simple studio qui te met dans tous les états ? Ça va quoi, c'est... Oh. Ah ouais, ça fait un choc. Le monde de Dishonored mêle une atmosphère et un design parfois très victorien, avec des technologies plus modernes de quelques dizaines d'années, ou des gadgets carrément révolutionnaires. Mais tout ceci n'est pas dû au hasard, les amis. Chaque référence est mûrement réfléchie, afin que le tout reste cohérent, comme par exemple l'utilisation de l'huile de baleine, importée directement de l'œuvre Moby Dick.
ce qui a permis de mettre en place par la suite l'idée de l'industrie de la baleine, attirant donc les rats et par la suite eh bien, la peste omniprésente dans le premier opus. Dishonored puise son inspiration dans de nombreuses œuvres d'art. Et encore une fois, ce n'est pas dû au hasard. En effet, le directeur artistique Sébastien Mitton incitait ses équipes à régulièrement se rendre au musée afin d'y analyser différentes œuvres d'art. Honnêtement, comment trouvez-vous cette œuvre ? Super moche. Vous l'aurez compris, l'art est quelque chose d'omniprésent dans le développement de Dishonored. Et saviez-vous d'ailleurs que pour Dishonored 2, Sébastien Mitton a fait réaliser des sculptures en argile des différents personnages du jeu, afin de pouvoir facilement les travailler et faciliter le travail des modeleurs 3D. En plus d'être pratique, ça rend vraiment super bien. Une composante majeure des jeux Dishonored, c'est le storytelling. C'est ce qu'on appelle de la narration environnementale. Dans un jeu, cela consiste à vous raconter une histoire à travers l'observation, la lecture, l'attention portée aux détails. Et cela demande un véritable travail d'équipe, car chaque petit détail compte, pour que l'univers, bien sûr, reste cohérent. Cela permet de raconter des histoires dans l'histoire, et de garder le joueur complètement immergé. Et surtout, lui faire vivre sa propre histoire. Par exemple, admettons que vous croisez un garde, tout ce qu'il y a de plus banal, le PNJ de base, quoi. Vous n'aurez aucun remords à lui trancher la jugulaire. Mais si maintenant, en observant, en écoutant, les conversations ici et là, vous apprenez que ce même garde est père d'un petit garçon et qu'il essaye tant bien que mal de lui offrir un avenir meilleur avec le peu qu'il gagne. Ah, tout de suite, c'est pas la même chose, là, hein. Voici un exemple de storytelling. Nous allons étudier notre environnement. Nous pouvons constater, donc, des restants de pizza, ce jeune homme affalé sur son canapé, des mouchoirs dispersés un petit peu partout. Maintenant, si nous prenons la peine de ramasser l'une des nombreuses revues qui traînent à terre, eh bien, nous pouvons constater qu'elles ne sont visiblement pas adaptées à un jeune public. Ah. Donc, nous pouvons en déduire, eh bien, que ce jeune homme, visiblement célibataire, semble avoir une nuit agitée, puisqu'il a un gros rhume, visiblement. Côté doublage, Dishonored place la barre très haut. Alors pour une fois, les amis, on va s'attarder sur la VO du jeu, car on est ici face à quelque chose de très lourd. Saviez-vous par exemple que l'actrice Carrie Fisher, célèbre pour son rôle de Leia Organa dans Star Wars, avait participé au doublage de Dishonored 1 ? En effet, l'actrice a joué un tout petit rôle et sa voix n'a pas été nécessairement entendue par tous les joueurs. Bon, déjà, vous doutez bien, il fallait jouer en VO. Mais en plus, seuls les joueurs qui ont pris la peine de tuer l'officiel de propagande présent dans la tour de Dunwall dans la mission Retour à la Tour ont pu entendre les répliques enregistrées par Carrie Fisher, qui sont diffusées tout au long de la suite de l'aventure via le haut-parleur éparpillé dans les rues du jeu. Remain alert for further details. La VO est composée d'autres comédiens de renom comme Michael Madsen, Lena Headey, alias Cersei dans Game of Thrones, ou encore Chloé Grace Moretz, alias Hit Girl dans Kick-Ass. Le rare reproche que l'on pouvait faire à Dishonored premier du nom, c'était ses graphismes un petit peu dépassés pour l'époque. Eh bien, le studio a rapidement repris les choses en main avec son Song Autobus, puisque grâce à sa collaboration avec Bethesda, l'équipe a pu avoir accès au moteur graphique ID Tech 5 d'ID Software, ce qui leur a permis de créer leur propre moteur, ce qui donne au studio une totale liberté que ce soit pour le développement de Dishonored 2, mais aussi pour ses futures créations. Les adaptations du jeu ne sont pour le moment pas très nombreuses. On peut compter sur un roman nommé Dishonored, l'homme corrodé, se déroulant entre le premier et le second opus, et un jeu mobile intitulé Rat Assassin, un mini-jeu développé pour faire la promotion du premier opus, où le but est d'exterminer le plus de rats possible dans la ville de Dunwall. Pour vous acquitter de cette tâche, vous disposez des pouvoirs pli temporel, tueur de l'ombre et de différents coups fatals pour vous frayer un chemin parmi les rats, à coups d'armes blanches, d'armes à feu ou de spirales tranchantes dans 12 niveaux. En soi, c'est un jeu plutôt marrant qui vous permettra d'exterminer du nuisible à la place de votre flemmard de chat. D'habitude, quand on parle de changement de date pour un jeu, ça signifie qu'il va être reporté. Mais ici, ce ne fut pas le cas. Devant l'engouement des fans pour le jeu, Bethesda décida d'avancer la date de sortie. Bon, seulement de 3 jours, mais c'est quand même assez rare pour être noté. Du coup, je propose de faire savoir votre engouement pour The Elder Scrolls 6 à Bethesda le plus possible afin qu'ils nous le sortent en 2017. On peut toujours rêver. Qu'est-ce que donnerait Dishonored en vrai ? Eh bien, si vous cherchez un semblant de réponse, c'est du côté du youtubeur Tim Timfeed qu'il faudra aller regarder. Déjà auteur de la vidéo How I Play Skyrim, il a refait la même chose avec Dishonored, où il nous livre sa vision plutôt bourrine du jeu.
Comme je vous le disais précédemment, Arkane Studios s'est inspiré de nombreuses œuvres pour créer la série Dishonored. Du coup, le jeu est composé de nombreux easter eggs, comme par exemple un tableau faisant référence au personnage de Mama dans Dread, qui est d'ailleurs interprété par Lena Headey, l'une des doubleuses du jeu. Mais mon préféré reste quand même les portails de Portal présents dans le premier opus à l'étage du magasin de Pierrot. Il y a même une note faisant allusion à des portails de téléportation. Et ça, ce n'est qu'un easter egg parmi des dizaines et des dizaines d'autres qui vous attendent dans le jeu. Pour terminer, la sortie de Dishonored 2 a été accompagnée de quelques bugs. Le studio a rapidement déployé de nombreux patchs pour corriger tout cela. La plupart de ces bugs étaient surtout des bugs de collision, donnant lieu à des situations plutôt comiques. L'un de mes préférés reste la bouteille de la mort. En effet, le dénommé Bébert, qui désirait simplement boire un coup, a connu une drôle de mésaventure en touchant cette maudite bouteille, puisqu'au moindre contact, il se retrouvait immédiatement projeté en l'air. Bon ben voilà, bon je sais pas toi mais moi ça m'a donné soif tout ça, je boirais bien un petit coup. Bah écoute, vas-y, hein, je t'en prie, vers toi. Allez, fais-moi descendre. Ah t'as l'air sacrément con comme ça. Allez, bon, allez. Salut, moi ouais, je me casse. Merde, enfoiré. La bouteille de la mort, la boisson qui va vous coller au plafond, à consommer avec modération. Ouais ben encore faudrait pouvoir la consommer hein.